Suivons de très près, l'Algérie est devenue un pays de destination. Aujourd'hui, la question de la migration clandestine est une question importante, inscrite à l'ordre du jour pratiquement de tous les forums internationaux. Il est évident que l'Algérie, à l'instar de beaucoup de pays, y compris des pays européens, nous sommes en train de prendre des mesures. Ces mesures sont devenues urgentes parce que derrière ces flux massifs en Algérie de migrants subsahariens, il y a des réseaux très organisés et qui entretiennent et qui facilitent ce genre de trafic humain, si on veut parler ainsi. Donc nous, notre stratégie en tant que gouvernement, bien sûr, nous luttons contre tout ce qui est immigration clandestine. D'abord, c'est notre droit le plus absolu. C'est les lois algériennes qui le veulent, qui l'exigent. Et c'est la situation, quand je vous dis, quand c'est un flux massif. Et derrière ce flux massif, il y a le crime organisé qui organise pratiquement du trafic humain. Dans notre obligation en tant qu'État, c'est d'abord de préserver la souveraineté et la sécurité nationale de l'Algérie. Donc nous sommes en droit, et nous le faisons, et nous le ferons. Nous le faisons en collaboration avec les pays voisins. Nous faisons en collaboration avec les pays de passage, qui sont le Mali et le Niger. Donc l'Algérie, nous avons des accords de reconduction. Nous sommes en négociation avec les pays pourvoyeurs de clandestins pour essayer d'avoir les mêmes accords, des accords de reconduction, des accords standards, qui sont des accords internationaux que tous les pays font avec d'autres pays. J'ajouterai aussi ce phénomène, comme je vous dis, il y a entre les passeurs des ramifications qui se font avec le crime organisé, qui se font avec le terrorisme. Les faits sont établis, il y a des infiltrations. Donc nous sommes en droit, pour la protection de nos nationaux, pour la protection de notre pays, de prendre des mesures. L'Algérie est connue, les Algériens sont connus pour leur sens de l'hospitalité, les Algériens sont connus pour leur sens de la fraternité, mais les Algériens aussi sont jaloux de la souveraineté et de leur sécurité nationale.